Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sous télévision nationale d'Haïti dans le SAS. Son plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, on va parler politique. Et c'est avec les questions politiques qu'on a refermé semaine ça dans mise au point. Samedi, il y a un rendez-vous au niveau de la Chambre des députés avec le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Séance qui était campéa. Il a dû reprendre samedi à 10h du matin. Séance interpellation. Là maintenant, après ça qui passé le week-end qui se passait là, nous connaissons toute réaction, le président républicain a rencontré un peu le secteur. Et là, au niveau de la Chambre des députés, groupe majoritaire a été une rencontre hier. Et sous après rencontre là, il semblait gagner une soixantaine de députés qui t'a désolidarisé à gouvernement. Est-ce que c'est pas vrai? Nous regardons ce matin, il y a deux membres dans le groupe majorité là, qui vont aider à comprendre ça. Mais matin tout, dans le tweet chef gouvernement, eh bien, il soulignait. Il sera au rendez-vous de l'histoire demain au Parlement pour répondre à les séances d'interpellation que député de l'opposition fait. On a ouvert tout ça et qui ça et séance ça capable porter? Est-ce que entre-temps chaque gouvernement capable de démissionner? Qui genre dans le rapport que le groupe Laga président qui genre président vous comprendre des machoa? C'est entre autres points que pral dans mitan discussion avec député Coral Rolf Papillon, député Thomas Sika, Francisque Delacousse qui a accepté répondre question nous peut-être tout une idée de comment séance si avec séance demain et dans chef député va passer. Député Papillon, son plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour, moi aussi. Député Delacousse, mon plaisir. Bonjour, c'est Gino. Moi, salue Peppa Issien. Moi, salue avant tout collègue Wolf Papillon, le député de Corail. Et moi, salue Peppa Issien. Moi, salue Moun Thomasik. Et tout Peppa Issien, n'a pas informé ou sac sorti dans la rencontre qui était faite hier après-midi. Et qui ça, nous sorti avec, nous gagnons pour devoir, c'est informer Peppa Issien. Bon, m'espérer quand même, nous allons passer une trentaine de minutes ensemble pour nous capables d'informer le pays et le monde d'abord. C'est ça, parfait. Alors, groupe majorité, combien vous avez de députés à bien? Non, 72 à peu près. 72 députés. Mm-hmm. Alors, pas de défection jusqu'à présent? Non, 72 députés, mais en fait, à partir de 60 députés, c'est-à-dire groupe majorité, là, il suffit à lui-même pour le faire et défaire. À partir de 60 députés, c'est une majorité qu'on a besoin pour faire son volet. Donc, nous, on gagne 72 députés. Et à ma connaissance, pas de défection. Mm-hmm. Mais au fait, son groupe là, qui a supporté l'action gouvernement. Oui. Et quel que soit l'agence, ça y est. Non, pas quelque chose, ça y est. Nous ne sommes pas capables, en tant que des hommes d'État, des élus qui gagnent un peuple qui vote nous, qui veut nous défendre l'intérêt, et puis qu'on est à temps pour nous dire que nous avons soutenu quel que soit, ça y est. Ce n'est pas un support inconditionnel. Son support, parce que nous partageons vision gouvernement, nous partageons rêve président Jovenel Moïse en particulier. Donc nous décider pour nous donner tout support que nous méritons, que nous besoin au niveau de la Chambre. Mais ce n'est pas un support inconditionnel, ce n'est pas un chèque en blanc. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation, comme par exemple c'est le cas aujourd'hui, côté que sécurité nationale est menacée, lorsque stabilité politique pays est menacée, et si vous voyez le jour où il y a une partie dans le pouvoir qui n'a pas vraiment comprendre sa capacité, il est de notre devoir de réagir parce qu'il faut savoir que le pouvoir arrête le pouvoir. Et là, nous avons une situation côté que vraiment sentiment de sa capacité là. Et tant comme d'accord que on a machine avec le monde et puis on sentit que mon abdomen sous volant. Et on dit attention abdomen. Il dit non pas abdomen comment ça fait. Il dit abdomen, dit non pas abdomen. Et puis quelques minutes après machine a quitté route là et puis il dit. Et puis quand on dit mon ensemble des là dit non pas abdomen mais qui te conduit toujours. Non pas capable. Là nous venons au point que pour notre propre suivi et pour suivi mon tout nous obligé reprend volant et c'est ce que je viens de faire hier soir. La majorité de mes collègues, donc on a décidé d'un commun accord que nous désolidariser nous. Enfin, nous allons parler de ça. Oui, nous allons parler de ça, mais au fait, député de la course, le niveau groupe majoritaire, parce que député Papier se dit, nous avons assez députés pour faire une séance, mais une critique, tu vois, le groupe majoritaire, pas gassé séance qui fait, malgré nous en pile, nous pas arriver à voter au nombre imposant de lois. Le niveau champ de ça passé. Qui voulait me dire? Donc, encore une fois, Peppa Issien souhaitait brancher Radio-Télévision Nationale matin. Et pour l'histoire et pour la vérité, et au niveau et 50e législature haïtienne, nous-mêmes, nous entrons, nous pensons que c'est une législature qui est plus productive. Ah bon? Parce que nous votons plus de 50 lois déjà. Et ça n'a pas secret pour personne.
sous l'eau capable de vérifier. Et nous-mêmes, par rapport à la conjoncture politique là, qui fait que nous te font retarder par rapport au ensemble des séances que nous te supposé reprendre. Donc, et nous allons mettre nos travail parce que dans le moment, nous demandons faut que nous te font retarder, suivre des conjonctures, comment qui position nous supposé prendre. Et parce que le rôle du Parlement, l'ILA, non seulement pour légiférer, mais quand même, une position pour le prendre par rapport à la conjoncture politique, là, parce que le pays a des problèmes. Le pays n'a pas seulement voté loi. Ouais, ou bien il va voter toute loi qui gagne, puis le pays a toujours tombé dans le problème. Il a toujours gagné instabilité. Il faut contrôler tout ça. Nous-mêmes, nous avons un gouvernement où on est position par rapport à fonctionnement du gouvernement, ça, malgré ma support du gouvernement, action gouvernementale là, mais par contre, nous constatons devant que le gouvernement lui-même n'a pas délivré marchandise là par rapport à ce qu'il était présenté devant nous. Donc, vous connaissez moi-même, j'ai toujours dit, dernière émission que j'ai participé là-dedans, c'est là que le premier ministre lui-même il a présenté énoncé pour le général Léa. Donc, moi-même, j'ai pris position claire que j'ai gagné jusqu'à un an pour me capable qui ça, le premier ministre, pour le bail comme résultat. Parce que pas oublier que nous-mêmes, les députés, d'abord, nous avons une mission, c'est permettre que la CAI nous, non seulement pour nous capables de représenter eux valablement, mais par contre, il faut que nous accompagnions le gouvernement pour que l'ensemble des projets qui la CAI nous, faut qu'ils soient réalisés. Et puis, il faut que nous avancions avec le pays, parce que le pays a un ensemble de problèmes là-dedans, il faut que nous attaquions. Donc, en gros, je suis capable de dire, gouvernement, député Thomas Sekla pas satisfait des résultats, je prends position comme un député responsable, que je demande au président pour qu'il te fasse un remaniement, je son maquillage qui fait. Moi-même, comme député, je trouve que je ne pas senti mal à l'aise pour me camper, pour me dire comme ça, bon, puisque je suis le gouvernement, il y a un remaniement qui fait, même si son maquillage, je suis obligé d'observer pour moi des nouvelles têtes qui rentrent dans, qui intègrent dans le gouvernement, qui résultat que vous bye. Or, oh, puisque je regarde, malgré les 5 ministres qui rentrent dans le gouvernement, ces 5 ministres sont considérés qui rentrent presque pour moi-même, qui n'ont pas rempli toute formalité légale pour rentrer dans le gouvernement. Le Parlement prend une responsabilité. Il y a un ensemble de députés qui prend, qui opposé par rapport à Jean qui ont fait nomination. Ça te crée un petit problème quelque part. Là maintenant pour deuxième session, et nous estimons nous travaillons déjà, nous travaillons assez. Et puis la deuxième session a commencé là. Deuxième session pendant que nous rentrons, et c'est le moment que tout ligue un petit problème politique, bagaille qui fait que nous commençons. Nous voter 3 ou 4 lois, je crois. Donc, je réagis sur ça pour me dire que en fait, c'est pas que m'a justifié le fait que parfois, pas gagner, etc. Même dans la même que population qui était votée, non, monde qui tendait que par un courant souvent bas, comprendre un petit peu comment il est facile pour que pas gagner quorum. On prend par exemple période fête patronale, qui c'est pour période côté que il y a moins séance qui fait en bas. Là prend fête Saint-Pierre par exemple, qui c'est fête Corail. Moi même tant que élu Corail, pas qu'à payer le luxe que pas Corail avec population qui fait pendant fête Saint-Pierre. Mais fête Saint-Pierre son côté qui fêté pendant dans au moins 8 circonscriptions. Fête Corail a fêté par solidarité député Pistella, député Beaumont et député Rozoa, ba tête obligation puis accompagner dans commune voisine. Même phénomène là. Sous multiplier par 8 communes qui ont fêté fête Saint-Pierre, ça fait déjà 24 députés absents, au moins. En plus de ça, pour des raisons tout à fait légitimes, en plus de ça, députés sont toujours en voyage. Et tel parlement au Canada qui doit inviter, ou on a une mission qui a fait par exemple en Norvège, ou on a par exemple une commission femme qui doit en voyage pour ce qui sont droits femmes, ça fait facilement qu'on gagne une cinquantaine de députés qui parlent là. Donc il ne faut pas comprendre que les pagans qui ont ça veut dire forcément que les députés ne font rien, c'est les députés qui sont obligés parfois à accompagner. Il y a des fois tout que le président de la République là est en mission. Si le président de la République est en mission par exemple à Corail, comme ça a été le cas cette année pour question de Corail, eh bien on voit que le député Corail a une obligation pour que il est absent dans ces instants. Donc autant de raisons qui sont capables de justifier que le courant maintenant est infirmé lorsque ce n'est pas délibéré que nous décidons d'infirmer le courant maintenant, qui c'est une manière parfois pour éviter un problème, etc. Maintenant, pour parler un peu de gouvernement par rapport à ça, député et collègue Mouetab dit tout à l'heure, mon Corail n'a pas fait partie, moi-même en tout cas, n'a pas fait partie de députés qui n'est pas satisfait de l'action gouvernementale. Je pense que sous mon rivière Corail,
en un an et demi de pouvoir Jovenel Moïse, on a prouvé que le gouvernement travaille vraiment. Et si le résultat du gouvernement était bien courage, il était arrivé à lui dans une vingtaine de circonscriptions à travers le pays, je pensais que nous avons plus force. On n'a pas rentré courage pour ne pas avoir que la route qui a fait. On n'a pas rentré courage pour ne pas avoir qu'après le cyclone Mathieu, que y a caille qui fait courage. Et sous fond interview avec la population courage là tout, on a prouvé que vous êtes satisfait de ça le gouvernement a fait. Ceci dit, en matière d'infrastructure routière, on n'a rien à reprocher. Maintenant, dans d'autres domaines, comme par exemple la santé, moi-même, mon gros démarche auprès du ministre de la Santé, moi gagné près de un an que moi présenter la situation de l'hôpital Corail. Et ça, moi fait avec le Premier ministre, dans la résidence privée du Premier ministre. Mais un an après, pas rien qui fait au niveau de l'hôpital Corail. Moi-même, quand j'ai un député, si je fais une disposition qu'on y a, comme ça a été le cas à Dame Marie il y a un an, gros hélicoptère qui a venu chercher pour le sauver. Mais l'homme pas député encore, c'est dans l'hôpital Kouraï là qu'il a pris ce voir. Donc c'est pendant que le député là pour m'assurer que la Cameroun ou l'hôpital qui a fonctionné correctement. Et lorsque qu'on y a là, moi soutenu au gouvernement, moi demandé au ministre pour l'intervenu. Il n'est pas intervenu, je vais continuer solidaire avec vous toujours. Parfait, parfait. Là maintenant, on regarde les situations qui ont été produites le week-end passé à deux jours. Et la rue bloquée, bah, il calme, on n'a pas qu'à sortir. D'ailleurs, tout le monde était obligé d'être dans le bureau jusqu'à ce que la situation n'ait pas été plus ou moins claire. Ça qui vient, il était prévisible selon nous. On pensait que c'était arrivé vrai, j'en ai passé là et député de la course. Ah bon, et je pense que ça passe secret pour personne. Mm-hmm. Par le fait que ça passe vendredi. Hein, et moi, lancer sympathie à Peuple Haïtien, hein, qui tout le monde qui est victime, et d'une part. Et d'autre part, et moi demander pour que nous fixer responsabilité à monde qui t'a supposé prendre responsabilité yo, parce que affaire bagaille gaz là son bagaille presque t'a parlé presque un mois et demi yo a gouvernement annoncé que il supposé monter gaz là par rapport à problème économie tout monde campé dit gaz là pas qu'à monter dans moment parce que c'est difficile par rapport à taux chômage, insécurité, la vie chère, il y a tout bac, toute qualité. Mais par contre, nous-mêmes, nous t'ai toujours dit que le gouvernement il a une responsabilité, il a un plan d'action d'abord. Mais par contre, faut contrôler tout situation économique pays, la population en tout. Comment lier qui programme ou pral mettre sous pied pour capable gagner ça ou un apaisement. Là, yo vin monter gaz là. Même t'es toujours remarqué la gros éclatement social. Même si c'est pas un soulèvement populaire gens que nous te prouvel là parce que ça passe à Port-au-Prince il passé, il pas passé dans l'autre département yo. Parce que bail qui fait Port-au-Prince là son bail planifié lié. Ah bon? On bail planifié. Parce que ouais, c'est Port-au-Prince qui crase. C'est Gino, moi-même, ça me constate dans Port-au-Prince crase. Parce que vendredi après-midi ou samedi, je suis dans la rue. Tant que tout le monde pense que je suis desserré, je ne vais marcher sur la machine officielle, je vais observer pour me dire que je ne vais pas passer, je ne vais jamais faire comme ça. Donc, moi-même, je dis que craser, briser, pas peine nous nulle part. Oui, le peuple a fait manifestation. Oui, les autorités ont décision, autorité ont décision. Ils ont sorti pour faire manifestation. Pour dire non, ils pas d'accord. Mais craser, briser, parce que y a un secteur dans la vie nationale, là, surtout dans le secteur politique, qui toujours dit si ce n'est pas eux-mêmes, il faut gagner des choucages. Si ce n'est pas eux-mêmes, il faut gagner craser, briser. Mais là, on fait craser, briser ça. Qui est-ce qui a payé les conséquences là? C'est les gens qui sont classés favorisés, les gens qui sont plus mal, c'est eux qui ont payé les conséquences là. Donc, moi, c'est que ça qui passe vendredi avec samedi, jusqu'à dimanche, tout va et là, c'est grave. Moi, c'est que là, c'est ça qui renforce ces convictions, nous-mêmes, au niveau du Parlement, pour nous capables de prendre responsabilité, nous. Quel que soit le monde qui te doit prendre responsabilité, il ne faut pas prendre, il faut que sanctionner. C'était prévisible, député Papillon, ça qui passe là? Moi, comparer ça qui passe là à un tremblement de terre. Au sens que mon tremblement de terre, elle produit son ensemble d'énergie qui n'a pas cumulé. Ou son pays, côté que, au grand ensemble d'inégalités sociales qu'il a depuis des années, depuis plus de 100 ans, plus de 200 ans, qui a accumulé.
pour nos situations, côté que chaque radio dans le pays a converti en radio Mille Collines. C'est des radios qui ont incité à la haine. Et malheureusement, jusqu'à présent, collègues, nous pouvons mettre un cadre légal qui pour réprimer. Il n'est pas possible pour l'organe radio Mille Collines, libre génocide. Ou pas qu'il y a une radio, côté que Abdou. Mais même pas, c'est que je ne sais pas combien de fois je entends dans la radio, on a parlé de faut que le Parlement soit taboulé. Parfois, on entend des propres collègues députés qui disent monsieur Papa Glen en bas, il faut mouler le Parlement. Donc, son incitation à la haine que lié, gratuite. Combien de fois dans la radio, on entend des gens dire ah, mon cher, c'est monsieur Milad Sayo, c'est monsieur Siro Libanais Sayo qui empêche le pays à marcher. Ou pas, j'aime dans le monde qui dit monsieur Siro Libanais, ça, je ne le défends pas. Mais il a dû constituer un exemple parce que son classe d'hommes travailleurs dans le pays et également ici, descendants, ils ont venu comme des mounions où à 7h du matin, ma quête est déjà ouverte, il y a travail. Et ça, nous pas copié. Pendant qu'il y a travail, nous-mêmes, nous sommes dans la balle, nous sommes dansés. Donc, moi, pensais que nous pas capables, chaque 30 ans, attaquer l'élite pays. Ça qu'a fait jodi là, son bagage cyclique que lié. Tout ça qu'on voit en Haïti actuellement qu'a fait là, li cyclique. Mais ce bagage moins qu'on est. Lorsque vous avez une radio qui a fait une station à la haine, ou gagne des parlementaires qui a fait des stations à la haine, ou gagne des inégalités réelles qui l'avrent, mais que nous pouvons vraiment travailler sur. Ou gagne un gouvernement qui gagne un grave déficit de communication, qui a fait des actions, qui a fait des bons bagages, mais qui pas arrivé vendre ça là vendre. C'est pas une question gaz qui t'a pris dans la rue actuellement. Gaz là, c'est la goutte d'eau qui a fait renverser le vase. Mais c'est pas question ça. Question qui est dans la rue là, sont questions de éclatement social qui menace nous. Et ça, considérez-le comme une première frappe. Et comme dans tout tremblement de terre, il y a ce qu'on appelle les répliques. Et parfois, les répliques sont encore plus fortes que le premier séisme. Et moi-même, je pense qu'il faut que nous soyons très prudents par rapport à ça. Et il y a un autre indicateur, un autre élément là qui vraiment vient rendre la situation encore plus dangereuse pour le gouvernement. C'est la manifestation que l'opposition s'est lancée là qui n'a pas marché, qui sont échecs. Lorsque une manifestation comme ça, après quelques jours dont émeute, pas marché, le gouvernement doit comprendre que c'est parce que les bagailles sont correctes. Non! Mais même ça me comprendre de ça, c'est parce que justement, ce mouvement qui n'a pas de tête, ce mouvement qui n'a pas planifié, ce mouvement qui est en partie spontané, en partie complot. Donc son ensemble de son cocktail qui fait là. Ce n'est pas par hasard que tout délit m'a crasé. Ça, son bagage, ou être téléguidé. Mais en même temps, il y a des révoltes spontanées. Moi, je pense que le seul sentiment vraiment national, c'est un sentiment de désespoir. Quelle que soit couche sociale qu'on parlait avec lui, que ce soit mon, en haut, bien mon en bas, je connais les lois, il y a tout parlé de désespoir. Mon cher, femme quitte le pays, ça. Pays n'est pas bon. Même ma petite compatriote, mais pas aucun pays qui fait tout bon. Tout pays s'est construit, qui trie les Israël, qui trie les États-Unis d'Amérique, c'est des hommes et des femmes qui décidaient un projet de société et qui dit on construit pays nous, mais à qui ça nous voulait pays assemblé. Ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est que nous sommes pays qui a erré, nous pas gain direction, nous sommes perdus. Donc il faut maintenant que nous chita entre nous haïtiens, que nous décidions de nouveaux contrats sociaux, que nous décidions de projets haïtiens de développement. Là, c'est l'autorité qui a le temps. Il faut que l'autorité, soit député, sénateur, et le temps, et prend une bonne décision, et laisse à tout. La bonne bossie à la population, vous connaissez, il y a des gens qui travaillent pour lui, il y a des gens qui pensent pour lui, il y a des gens qui essaient de regarder comment ils sont capables d'améliorer les conditions de la ville. C'est ça tout, là, les députés Papillon. Oui, mais il faut que les gens tout, parce que malheureusement, nous-mêmes, c'est que, ouais, ce sont des gens qui cyclique dans le pays. M'a observé situation politique pays d'Haïti depuis au moins une trentaine d'années. Et chaque décennie, il y a une institution qui est dans la ligne de mire des casseurs. Parce que ce sont pays qui, depuis 30 ans, pour moi-même, a dirigé par un groupe, en tout cas une pensée dominante, qui c'est l'anarcho-populisme. Il y a 30 ans, tout le monde a un problème qui empêchait le pays à marcher, littéralement la présidence. Donc nous parlons du Valier, nous parlons de ceci, nous parlons de cela. Nous virer, nous virer, finalement, nous dit, on met un exécutif bicéphale, ce qui est une première dans notre histoire, et nous décidons que nous avons un premier ministre. Quand il y a souffert enquête dans l'arrière, la majorité monde pas d'accord avec le premier ministre. 10 ans après que nous finissons résoudre le problème président, qui n'est pas un problème pays encore,
Et puis, nous tombons que c'est l'armée qui est problème pays. Et c'est généralement les mêmes critiques que j'entendais contre l'armée d'Haïti. On disait que l'armée est budgétivore, que M. ça ne va pas régler rien pour le pays. Eh bien, c'est les mêmes critiques qu'aujourd'hui j'entends contre le Parlement. Il y a budgétivore, il n'y a pas réglé rien, fonds de crise, etc. Donc, je vais même dans les blagues. À un certain moment, on faisait des blagues sur le général Gracia. Et maintenant, puisque l'armée n'est plus dans notre ligne de mire, c'est le Parlement, les blagues maintenant sont sur le sénateur Gracia. Mais toujours on bagarre dans la rue qui indique vraiment qui est dans la ligne de mire. Premier problème, non, c'est un problème de projet de société. Pas oublier, depuis la naissance du pays, nous pas d'accord. Le pays a fait, on a gagné pratiquement trois grands leaders. On a gagné Dessalines, qui a souhaité un empire pour Haïti. Pétion, qui voulait la République. Christophe, qui voulait un royaume, la monarchie. On a eu les trois régimes. Et nous tellement nuit, nous tellement pas baillé tête ni direction, que un siècle après, on a eu ce que personne n'a voulu, c'est-à-dire l'occupation américaine. Et c'est dans ça que nous sommes là, je vous dis. Qu'on y a, nous avons choisi un régime parlementaire, et tout régime vient avec bon côté et mauvais côté. Vous trouvez que parlementaire, yo privilégié, yo ceci, yo cela, saute là-dedans, allons l'autre régime. Ou avec une nouvelle classe de privilégiés. Moi, même pas quoi question, c'est qui ça parlementaire, gagné, ça va pas de gagner. Ou quoi question, c'est d'abord, est-ce que yo travaille pour privilège que ce système là. Est-ce que utile pays a? Est-ce que utile pays a? C'est sa question là. Et, moi, côté pour député, est-ce que, vous avez dit tout à l'heure, ça m'a été annoncé, c'était gagné si avant coureur, par rapport à ça qui passait là. Mais, comme ça, nous sommes cap supporter le gouvernement. Pas le gouvernement, on te dit, ah, sinal là, mais ça arrive, sinal là, mais qui problème nous arrive après, il évite de la cause. Bien évidemment, le gouvernement, avec le président de la République même, en particulier. Donc, et nous-mêmes, nous t'es toujours dit, président va avoir problème, mais il y a gardé pour nous, comment nous pas laisser, ouais, comment il peut lancer des projets, capables de permettre un apaisement social. Vous songez plusieurs fois à annoncer pour vous capable faire justement, malgré ça tout, et puis vous faites back. Donc, finalement, vous venez son nécessité pour vous faire justement. Mais moi-même, j'étais toujours contre justement. Depuis Thomas Ségla, j'étais toujours contre justement à faire ce gaz-là pour le moment. Parce que je connais vraiment Haïti pas faire gaz. Mais quand même, si jamais il y a un justement, c'est-à-dire qu'on a mis 20-25 gouttes, mais malgré ça, il faut nous parler avec la population. Pas oublier que le président de la République, ce n'est pas seulement lui-même qui a dirigé le pays. Ou gagner le Parlement, ou gagner d'autres secteurs dans la vie nationale. Il faut qu'on tenu compte de eux. Là, on propose un bagage, il faut analyser le pouvoir, comment pour conseiller, il faut consulter, parce qu'il y a un pile conseiller président. J'ai l'impression que ça qui passe là, conseiller président a pour beaucoup là-dedans. Parce que faut que tout le monde pense que, est-ce qu'au son de ce qui est passé, Jacques-Édouard Alexis, 2008, je crois. Oui, fameux, mais de la fin. Ça veut dire, peuple a sorti, là, autant de dire au Pablo Bagay, pas que personne qui a empêché, et il a fait sortir, et Jean au sorti, c'est pas plaisanterie la pied. La sortie, la crase brisée parce que l'école, il vient d'entrer dans la culture haïtienne. Il avait dit depuis le moment, il crase brisée, brûlée, et qui ne peut pas mener nulle part. Donc, je pense que ça qui passe là, je pense que c'est un signal que vous voyez à clair, par le prochain gouvernement qui peut venir pour le connaître, il faut là, assumer responsabilité. Et si ce n'est pas grâce au Parlement haïtien, je dis à qui camper. Qui prend responsabilité malgré l'intoxication qu'a gagné, dit que le parlementaire prend comme c'est la bagaille. Ça va faire nous breeding même parce que nous connaissons, nous faisons travail pour la population. Parce que c'est dans la matrice population nous sortit. Donc, je pense que moi-même avec collègue Papillon, je pense que nous avons responsabilité face à la nation, face à le pays, face à la circonscription que nous représentons. Que nous assumons responsabilité, nous, que demain, si je veux, qui nous fait ça pour nous faire, que le pays a pris des nouvelles directives
par rapport à leadership qui était supposé dégager pour empêcher ça qui s'est passé vendredi avec samedi qu'il pas reproduit davantage, parce que faut que nous prenions responsabilité nous comme des hommes d'État et des femmes d'État, parce que nos parlements nous-mêmes nous très préoccupés par rapport à ça qui s'est passé. Bon, enfin, n'allez vous nous parler de samedi, mais si nous allons vous fixer les responsabilités depuis Rolf Papillon par rapport à ça qui s'est passé avec lui, il vient d'appeler. Premier responsable, ça crivé à la lirele, le Fonds monétaire international. C'est le premier responsable. Ce sont des blancs qui viennent avec des médicaments. Ils ne se connaissent pas tout, ils ne savent pas tout, ils disent ça. Mais c'est vous qui avez choisi pas bon tout. Ou qu'a choisi pas bon. Ou qu'a choisi pas bon. Et c'est là quand même que je trouvais que l'analyste politique, qui est Jean-Michel, il y a mis responsabilité sur le président Jovenel, qui lui-même hésitait en pile avant de signer avec le Fonds monétaire international. Mais il est peut-être estimé qu'il n'a pas gagné le choix, ou bien il a peut-être été mal conseillé. Mais je dis, même Fonds monétaire international, ça, qui fait exigence ça, et c'est pas étonnant de le faire, ça a fait dans l'autre pays, et il a le même résultat. C'est ça que tu as vu Nicaragua, ça. Il a crasé Nicaragua avec ça. Mais je pense que, soit il est délibéré, ce qui ne m'étonnerait pas, il connaît que depuis que le président de médecine Salbouel, il a pété fiel, li, et puis au Balbouel. Mais le président Jovenel Paka n'a pas dit que tu es un député qui t'a dit attention avec FMI. Il n'a pas dit que ne pas de ballon signal d'alarme. Pas plus tard que jeudi 28 dernier, je suis avec le président en réunion. Je ne peux pas sauter là, tout collègue. Et il me dit, président, on ensemble de bagailles. Que moi prends courage, que moi dis, parce que dans le pays, ça, je ne vais pas la chef. Moi, Chita, moi dit président, et il n'y a pas que me dit président, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience de la fragilité du pouvoir exécutif dans notre pays. Il dit président, gardez l'histoire d'Haïti. Ou après qu'il y a très peu de chefs d'État qui finissent mandat. Ce n'est pas par hasard, il y a une raison pour ça. Il faut une certaine compréhension de l'être haïtien. Il faut une certaine compréhension de la complexité de la réalité nationale pour diriger le pays. Pas capable de foncer. Mais je dis, 10 jours après, il comprend ça, les fragilités du pouvoir exécutif. Là. Il aurait dû le comprendre avant. Et moi-même pense que, indépendamment de questions FMI, je pense qu'il y a des responsables, il y a des gens autour du président qui doivent dire. Moi, je pense qu'il y a deux façons d'être chef. Ou bien son chef qui veut entourer tes tout de compétences, de monde qui est capable de faire là, et ou pas doué et qui est complexe par rapport à ça. Et même pour un duvalieriste, mais j'ai connu la période de Duvalier. Et je suis capable de dire que un crédit que nous sommes capables de faire avec le Duvalier, c'était cette capacité qu'il avait de s'entourer de gens compétents. Dans l'âge moyen là, si nous mettons nous ensemble là, nous sommes capables de rappeler nous du nom de la majorité des ministres de Duvalier. Nous sommes capables de faire cabinet à la Prodénia là. Parce que c'était à l'époque des super ministres et des mouns responsables qui apprennent des décisions. L'autre dit Achille, ou dit Lafontan, ou dit tant d'autres, ou senti que c'est des mouns qui solident autour du président de la République. La deuxième façon d'être chef, c'est d'être tout puissant et de n'avoir que des valets autour de soi. Des mouns qui vont passer l'autre qui ont dit oui, chef. Et c'est difficile. Et Haïti, on ne peut pas diriger avec des valets. Pour obliger des gens qui disent attention, attention, il faut capable de tendre des gens que les audio attention. Ce qui est arrivé après que je finisse par la président, je pense que j'ai eu un entretien d'une vingtaine de minutes avec le président. Mon sénateur crée les mois après, et puis il dit, ah député, il dit, vous manquez président des gars, ah bon? La Kaeli. Il dit, mon cher, d'abord, ce n'est pas mon genre de manquer des gars à un chef d'État, et encore moins chez lui. Mais en fait, c'est quoi le problème? C'est tout simplement que dans le pays, ça, mon ne pas doit parler à chef. Donc là où on bagaille, on n'a pas qu'à dire que on tout là, on n'a pas qu'à dire rien. Donc on est obligé de gober toute bagaille, accepter même tout. Si bagaille. Même si on parle de la même si on parle de c'est quitter la meilleure pour qu'à continuer de bénéficier des privilèges. Parce que même moi estimé, en tant que député, en tant que mon qui sorti courage, moi estimé que ma circonscription est l'une des grandes bénéficiaires du régime de Jovenel Moïse. Je ne crois pas que j'ai une circonscription que vous sentiez quand le gouvernement travaille tant que courage. Mais j'ai le devoir de parler sincèrement au président de la République. J'ai le devoir de lui dire les choses comme elles sont. Mais maintenant,
puisque on avait essayé de garder responsabilité, et c'est ça qui fait tout. Bon, séance qui était commencé, nous décidons de remettre sur tapis pour demain. Et gouvernement, selon nous, c'est à lui-même qui a mérité faire comme fusible. Et la police, tout par rapport avec les passivités, puis nous relevé, je vois. Par contre, parce que la police a gardé responsabilité là, l'une des choses que j'ai dites au président de la République, et mon collègue en est témoin, j'ai dit, monsieur le président, vous ne pouvez plus continuer à jouer le rôle de bouclier à votre gouvernement. C'est le contraire qui doit se produire. Nous sommes dans une phase où le premier ministre doit sauter. Dans quel pays, messieurs, dans quel pays, que on peut gagner des émeutes, qui baille moun mouri, qui baille magasin pillé, qui baille tout qui a sauté ça, qui bloque un pays pendant au moins 3 jours, et puis personne ne démissionne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que personne n'est responsable. La police n'est pas responsable, le premier ministre n'est pas responsable. Et je pense que, ne serait-ce que par décence, bon série de moun qui t'a adoué, baille démission. Ne serait-ce que le ministre de la communication qui voit un tweet qui dit que le tabal démissionné, le président dit qu'il n'a pas démissionné. Alors que le président lui-même, dans son allocution, a reconnu qu'il y a une faiblesse au niveau de la communication. Je suis désolé, si le pouvoir exécutif n'a pas la décence d'apporter certaines corrections, s'il y a des compétences qui manquent autour du président de la République, qu'il mette ses compétences. Et s'il y a des nullités politiques autour du président, qu'il s'en aille, nous-mêmes, au niveau du Parlement, nous avons pour devoir de rectifier ce problème-là en limogeant le Premier ministre. Et vous pensez que nous-mêmes, au niveau du Parlement haïtien, nous avons pour le devoir d'abord de prendre notre responsabilité d'abord. Et parce que et face à la situation au pays, nous t'a demandé que responsabilité a faut que nous fixer. Parce que pas oublier que le premier ministre qui est le chef du gouvernement, qui est en même temps le président du CSPN et directeur général là, il est là pour être capable de coordonner avec le premier ministre. Là, lui-même, premier ministre lui-même comme chef du gouvernement, je pense que faut qu'il y ait une séance qui était faite CSPN. Là. Effectivement, elle était faite dans jeudi, je crois. Mais je me demande qui est dans deux chefs, premier ministre et directeur général, là, c'est qui est dans eux, nous l'a considéré et comme si l'un n'a pas accusé le Dieu, oui, moi-même, je m'attends comme commande. Directeur général, là, il est briqué, il dit qu'il tape ton commande par rapport à la premier ministre. Parce que il était un arrêt de sortie, côté qu'il dit clairement, il te dit quelle que soit la décision pour le prendre, il faut que CSPN approuve tout ça. Premier ministre, lui-même, comme président de CSPN, c'est comme si pour lui-même, beaucoup de temps de position sous cas ça par rapport à est-ce que dans CSPN, il toucher au point qu'on s'appuie planifier des décisions que le gouvernement a parlé pour monter gaz là. Ça veut dire la police était inactive. Moi, même pas voulu accuser et agent, mais au commandement de la police là, faut les fixer, faut qu'ils prennent responsabilité et parlement d'abord, le Sénat de la République, moi c'est que faut qu'ils travaillent sur ça. Nous même au niveau de la Chambre des députés, nous travaillons pour que nous prenions responsabilité, nous pour nous fixer responsabilité. Et tout le monde qui a une responsabilité, qui ne prend pas, il faut qu'il sanctionne. Bon, si on s'attire en continuation, parce que tu as 4 ministres, nous avons demandé, il faut gagner et enquête menée sous eux, puisque le coup de compte fait qu'on est que nous savons, c'est des gens qui ont géré l'argent de l'État, donc il y a besoin d'échange. C'est peut-être ça, président Chamnan et Garibodo, tu as décidé de mettre ça en continuation. Maintenant, Britsoukou, après ça qui nous passe, nous dit c'est ça à peu près. Est-ce que ça t'a dit que l'enquête l'a été menée? Nous avons tout document qui montre que le ministre Sayo, soit besoin de charge ou il n'y a pas besoin de charge, député Papillon. Bon, hier, dans la réunion, c'est une question, parce que moi, au départ, j'avais réagi par rapport à un moment que le président Baudot te prend décision, mettez séance pour samedi, parce que m'estimait qu'il n'y a pas de confette. Donc, le moment de ça, dans la réunion que nous avons hier soir, il dit non que nous avons document que la Cour supérieure des comptes voyait Bali, qui confirmait effectivement que ces nouveaux ministres ont besoin de décharges pour exercer leurs nouvelles fonctions. Donc, ce qui est contraire avec la Constitution. Et donc, puisque nous avons une réponse
à question ça, donc ce n'est plus nécessaire de conduire une enquête, puisque l'enquête devait aboutir à une conclusion, et cette conclusion on l'a déjà. Donc ce qui fait que c'est un samedi à l'évine grand sens. Pour que ça c'est changement de gouvernement net, vous voulez, pour que ça c'est pas remaniement. Remaniement, je pense que ce n'est pas problème de remaniement. Nous coulions pour le moment, nous estimons que c'est comme si nous avons un problème. C'est comme si nous avons un bateau, le bateau n'a pas coulé, et puis nous, c'est le capitaine qui a un problème là-dedans. Ça veut dire, si vous avez changé le capitaine, vous avez changé. Ce n'est pas le passager qui a couru, qui a passé par là, qui a tombé dans tout, qui a tombé dans l'eau. Donc, je pense que nous avons un problème avec le remaniement, nous avons demandé, mais la conjoncture politique a demandé que faut que le Premier ministre les sanctionne par rapport à une déficience de leadership. Pas oublier que pouvoir et leadership, c'est des bagages qui sont différents. Ou bien, il y a un pouvoir ou pas de leadership. Et si vous avez un pouvoir ou pas de leadership, c'est comme si vous êtes capable de considérer que vous n'avez pas de résultat que vous pouvez voter. Il faut que vous ayez leadership, ou un pouvoir, et pour assumer responsabilité. Vous prenez responsabilité face à la nation, qui vous travaille pour lui, que vous prenez responsabilité ou avancer. Donc, on est capable de dire, problème, et Premier ministre, là, tout le monde fait constat, ou après, plusieurs secteurs, et pas seulement le Parlement. Ou jouen sa, ou jouen secteur politique la mandel, ou frange, gen moun kap mande rachèman yon knèd, c'est chaos. Gen yon l'autre secteur qui mande encore, c'est permettre que nous même gen remaniement. Mais nous même nan niveau parlement, avant été bon remaniement qui fait, ou pas capable tout le temps à faire remaniement, et puis résultat babay, nous même c'est résultat nan chèche. Donc nous estimons que Premier ministre, là, li pa gen raison d'être. Lui-même, il connaît, il n'est plus Premier ministre. Il connaît ça très bien. Dans le moment où il travaille dans le palais, là, il connaît ça. Non, il connaît dans lui-même, même si là, il connaît ça. Parce que si ou bien au niveau du Parlement haïtien, un bloc majoritaire qui déclarait lui désolidariser la voix, c'est automatique ou si vous êtes démissionné. C'est automatique parce que c'est nous qui supportons dans le niveau parlement depuis nous désolidarisons. C'est automatique. Mais vous qui voyez tout et aller vous et PM aller comme ça, ça capable mener plus dans l'instabilité, non? Bah ouais, moi-même. Bah ouais, instabilité. Sauf que s'il allait, je pense que quelque part, l'a arrangé quelque chose, surtout sur le plan politique. Vous partagez votre vue sur tout depuis? Bon, au départ, c'était crainte. Moi-même, je me suis dit, bon, en limogeant le Premier ministre, est-ce que nous ne pouvons pas glisser vers l'instabilité politique? Et après consultation que moi j'ai gagné, après échange avec l'autre collègue, finalement, nous n'avons pas gagné le choix. Nous n'avons pas de choix, je pense que vrai sac à instabilité, c'est Kembe Premier ministre. Parce qu'il faut être à l'écoute de l'autre acteur politique que tout. Il faut être à l'écoute de tous les secteurs de la vie nationale. Et lorsque on bagaille pour émettre, ça va finir arriver, généralement, on s'attend à un changement. Et lorsque ce changement n'arrive pas, plus le changement se fait attendre, plus conséquences sont capables graves. Donc, c'est comme d'accord, son soupape de sécurité, il faut qu'on lâche pression pour que. Et société a pour que le pays a capable de rejoindre un train de vie normal. Dans la réunion faite hier soir là, avec le groupe majoritaire, nous étions plus qu'une soixantaine selon l'information du journal de la presse. Ceux qui s'en mettaient d'accord et qui s'en disaient comment nous allons faire pour le ministre tout le président, parle de ça, nous discuter là et dans le côté soir. Bon, nous étions plus qu'une soixantaine. Alors, 60 sont chiffres qui sont assez symboliques parce que c'est chiffres qu'on a besoin pour prendre des décisions en bas. Alors, à partir du moment où il y a 60 députés qui sont d'accord sur une question, c'est-à-dire qu'ils passaient déjà. Sauf défection. Et même le tag défection, Fablier qu'on a 16 députés interpellateurs qui ont même qui clairent sous position qui dans quel sens qu'on va le voter. Donc dans 60 députés, soi-disant, on gagne là, il faut que tu aies au moins plus que 16, ce qui m'étonnerait. Et son dialogue, je pense qu'il était fait très, très ouvert, très franc. Côté chaque député, débat a été partagé et crétio, a partagé opinion sur question au renvoi Premier ministre. Et nous finissons par tomber d'accord sur un point. Et là, nous tomber d'accord, ça ne veut pas dire que les 72 députés pensent qu'il faut renvoyer Premier ministre. C'est-à-dire que lorsqu'on bloque, c'est un compact que lui. Lorsqu'on gagne 72 députés, on gagne une quarantaine qui fait valoir que c'est dans ce sens-là pour nous aller, même l'on pas d'accord, ou obligé plier à majorité. C'est ça qui fait que nous bloquons et c'est ça qui bat le sens. Décision finale là, et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'opinions contraires, il y a eu des craintes, il y a eu des questions, mais dans l'ensemble,
tout député est d'accord que c'est ça que le gouvernement souffre, c'est ça que le pays a une possibilité pour le continuer, c'est le renvoi du Premier ministre. Nous avons pensé qu'il était de bon ton, puisque nous appuyons le gouvernement, avant que nous parlions de ça dans la presse, pour que nous ayons primé la présidente de la République. Là. Donc ça, c'est une décision qu'il te prend, que nous avons fait une délégation. J'ai moi-même été mandaté pour transmettre le message au président de la République, pour annoncer que la majorité APH a décidé de se désolidariser du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Et je dis à avant même que ne parle à président, parce que avant même que ne rencontre le président, parce que je me réveille au téléphone, il dit que l'a fini nos réunions avec sénateur, de quoi l'a brisé la caille, l'a brisé pour mes jeunes. Avant même que ne parle à président, moi recevoir un tweet de Gary Pierre Pochal qui est annoncé mes sacs fêtes, et donc les gens dans la rue, décision qui est dans la rue. Ouais. Donc moi il est au conseiller, il me dit tiens c'est bizarre, regarde on va y arriver, on est dans l'action, c'est même pas qu'on fait. Il dit mon cher, je vais recevoir le tout. Donc ça veut dire la rue à Guetta qu'on est qui décide que tu prends. Donc c'est plus un secret pour personne. Et je m'étonne seulement qu'aujourd'hui, à 5h du matin, le Premier ministre voyait un tweet qui parle dans le sens de la décision que nous prenions là, côté que l'annoncer que le aller au rendez-vous de l'histoire, que le aller quand même dans le Parlement pour samedi, ce qui est à mon sens tout à fait ridicule. Vous parlez à président, vous faites pas de ça, nous discuter, qui vient président réagit. Moi, je parle à président téléphone. Et après que je me fais recevoir tout là, ben, nous avons estimé que, vu le collier, etc., et nous n'avons pas besoin de continuer sous lit. Mais ce qui est sûr, c'est que le président est avisé. Et je ne voulais pas réagir vraiment sous ça. Mais le président est avisé. Et je pense que moi, je m'attends à une démission du Premier ministre dans les heures qui viennent. Donc, je pense que. Président nous-mêmes comme collaborateurs, c'est collaborateurs nous liés parce que nous travaillons ensemble, parce que nous sommes des hommes d'État. Et je pense que le président est conscient des situations hein, également. Nous-mêmes, et je pense que si le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine n'est pas démissionné durant la journée, hein, je pense qu'il a fait bien à payer pour démissionner et pour la famille et pour tous les collaborateurs qui ont gagné tout. Sinon, nous-mêmes, au niveau du bloc majoritaire, une fois que nous désolidarisons avec le Premier ministre, nous avons une grande chose. C'est que pendant la journée, il a écrit la démission, il a envoyé la Chambre des députés, le Sénat de la République et le président de la République là, pour lui dire merci parce qu'il a desservi le pays. Il a vague. Sinon, pour moi-même, je pense qu'il a démissionné, qu'il n'a pas démissionné. Je pense que demain, c'est le pays qui connaît la décision que le Parlement prend. Donc, je pense qu'il tape mieux que lui-même il démissionne, il n'a pas besoin de descendre en bas. Donc, le pays, la nation, a tant de réactions au Parlement, qui sa Parlement a pour le faire demain, c'est le pays. Est-ce que nous avons parlé avec le chef de l'État et le député Papillon, parce que vous avez mandaté pour débattre le message là? Est-ce qu'il a envie qu'il y ait le Premier ministre, il va de la gueule, il a aimé que vous qui fait. Monsieur, est-ce qu'on change de quelques ministres pour que Jacques-Guy Lafontaine toujours amène pas le gouvernement? Comment? Permettre que je ne vais pas commenter et partir ça, mais Mabdou, pour m'en gérer avec collègue moyen, que descendre premier ministre dans le Parlement, c'est une simple question de formalité. Ah bon? Sans formalité, qui même pas nécessaire. Parce qu'il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de discussion. Non, non, il n'y aura pas de... Oui, moi je pense que M. Lafontaine a fait son temps. Le matin, on va regarder en tweet, une joie de nous, peuple haïtien, je serai au rendez-vous de l'histoire au Parlement ce samedi 14 juillet à 10h du matin pour répondre à l'interpellation des députés de l'opposition et parler des réalisations de l'administration Moïse Lafontaine. L'initiative, effectivement, vient des députés de l'opposition. Mais entre-temps, il faudrait que la situation ait évolué. Initiative Salté prend avant et Métio, il faudrait qu'il y ait des consultations qui faites et que la majorité a estimé que pour le bien de la République, elle n'est pas capable de continuer à les supporter. Et pour qui ça, nous, selon nous, commissaire, livré à l'affronter le Parlement demain matin? Dans cette optique, il n'est plus de question des députés de l'opposition. C'est la question du pays. Ok, le Parlement d'abord a assumé responsabilité. Donc, M. Guy Lafontaine lui-même, il a pensé qu'il a parlé en bas pour la présenter sans thème de bilan. Pour moi-même, je pense que il a conseillé qu'il n'a pas besoin de descendre en bas. C'est sûr. Non, mais j'ai expérience Jacques-Edouard Alexis.
malgré son latin clair, mais le Premier ministre Jacques-Édouard Lexis descend quand même. Il n'a pas là actuellement. Il n'a pas là, c'est notre. Est-ce que ce n'est pas même là qu'on va arriver demain? Député Papillon. Écoute, là, on pose une question pour me deviner. Moi, je dis. Non, mais le Premier ministre a annoncé, vous allez. Non, mais il n'est pas venu, le ridicule ne tue pas. Lui a toujours venu. On a poursuivi Wally. Mais parce que sont ces formalités. Ouais, l'un ne t'a pas accepté Fridjian comme Premier ministre. Bloc là, Finchita, Jean Chita, nous prenons une décision, nous disons, ok, mais qui est monde qui m'a la vie. Et puis nous arrivons en bas, bon consigne qui fait. Consigne, c'est que pas un député qui prend la parole, pas un député APH qui a parlé. Et puis, monsieur, au fin de parler, opposition fin de parler, au fin de défendre, mais sans pas même rendre compte que c'est eux-mêmes seulement qui a parlé. Donc, vous-même, soit sur Science en télévision, on pensait que tout député parlait en faveur de Fridjian. À un certain moment, quelqu'un a dit, écoutez, l'Assemblée est édifiée par son vote. Et puis, le vote l'a tombé, et puis ça a fait la défaite. Donc, à l'en bas, s'il estimait qu'il y a une capacité, à partir de tout ça que nous fait là, à partir de toute analyse que nous fait, de toute réunion qui fait, et s'il estimait qu'il y a une capacité pour arriver à convaincre nous du contraire, ben, qu'il vienne. Mais est-ce que nous parlons de nous parler avec les commissaires pour nous faire le partout de ça, nous prend comme décision après un rencontre hier soir là Moi non. Mais depuis après l'événement week-end dernier, on ne parle pas avec lui, pas aucun monde dans le groupe majoritaire qui parle à PM. Alors, mais forme de que je n'ai pas numéro Premier ministre. Je suis habitué par le Premier ministre. Ah bon? Non. Bon, je pense que le président bloc APH là, Hippolyte, pense qu'il est informé de ça, qu'il y a des décisions qu'il prend dans le niveau. Bloc APH là. Okay. Bah, moi c'est ça parce que yo parle souvent et moi c'est président Hippolyte parler avec le président République là tout ça bien que moi pense qu'il était mandaté également pour te rencontrer le président République là et durant journée un bon bagage a fait quand même m'assurer que le président Hippolyte la prend responsabilité pour passer information pour passer lui-même qui nous bat le mandat pour ça bien que il gagne élection pour qu'on fait pour que légalement pour que les soient nous reconduits ou pas, mais puisqu'il y a beaucoup d'élections qui sont faites, il est toujours assuré tête bloc là. Peut-être que le ministre a dit tout, parce que nous sommes ensemble avec lui, nous avons défendu l'action du gouvernement, il a tiré par un bizarre pour nous prendre voter contre lui demain. Et ça fait qu'il a dit bon, Mais non, mais je pense que nous sommes des hommes d'État, nous avons des lourdes responsabilités face à la nation. Ce n'est pas parce que moi-même de voter ou, et puis moi-même ou pas de résultat. Peuple n'a pas satisfait du travail, ou m'oblige tout le monde à supporter. Mais pas de aucun côté ça écrit. Moi-même, comme député responsable, moi, c'est idem pour les collègues Wolf Papillon. Je pense que la position de nos parlements, on seul bagage à faire, c'est accompagner un gouvernement qui a des résultats, accompagner le peuple haïtien. C'est ça qui intéresse nous. Mais deux semaines de ça, le DAP fait science là. J'ai l'impression que si votre la défaite, nous avons renouvelé confiance dans Jacques-Guy Lafontaine. Ça a passé deux semaines après et puis nous voulons pour l'Alliance. Mais pendant deux semaines, tout le peuple l'arrière pour nous craser, non? L'arrière pour nous craser. Non mais. Gaz pour nous monter. Non mais, c'est fragilité pays. Je pense qu'il peut justifier ça. Ouais, la confiance, son bagage pour ne pas jouer avec lui. En confiance, pour moi-même, c'est un peu un miroir. Depuis le tombé à terre, il éclate en mille morceaux. On met 1000 morceaux, on essaie de recoller, il n'y a pas de coller. Et ça qui passe là, c'est l'éclatement de la confiance. Et là, on n'a pas le choix, on est obligé de step down. Mais là, après une centaine de tout là, on va le présenter. Ça le fait. Bilan et gouvernement lien. Et ça nous dit que le premier ministre a matière pour le convaincre l'Assemblée et convaincre l'IA. Pas de problème, on l'a obtenu. Au pas de problème, on l'a obtenu en bas. Naptani, Rivé, il met tout ça, puis il a fini, et puis parce que bloc la consigne déjà. Et là, on a voté dans le même sens. Le pas de moyen pour que nous ayons consigné encore. Nous allons dans le sens, et après 20 ans de Premier ministre, il expose nous ce qui passe. Peut-être nous avons posé la question sur la responsabilité du gouvernement, sur chaque territoire, et puis le si convaincu nous. Pour député Thomas Sikla, la fontaine son page tournée qu'il y a. Député Babillon. Mais c'est bon, je vais dire, Simon, si je dis plus de 60 d'hommes d'État réunis après consultation avec différents mondes qui ont conseillé, et je dis, mais qui ça nous estime qui est bien pour la République, nous prenons décision, nous avisons le président de la République, et par ouais, comment nous allons faire marche arrière, son décision aussi arrêtée. Donc pour moi, comme dit mon collègue,
C'est fini, la page est tournée. Et si quelqu'un qui a supporté le premier ministre dit, ah, si la majorité a fait mal ça, c'est comme les bails députés, tu fais interpellation aux députés pour son crédit. Ça n'a pas de problème. Mais je ne sais pas quoi est son question d'orgueil. La politique en Haïti, moi, égo nous, petit gens tout trop en avant. Ouais. Que ce soit des députés d'interpellation qui prennent l'initiative là. Ils ont même d'ailleurs été prêts pour l'autre raison. D'ailleurs, la Cour supérieure des comptes, ils ont raison. Ils ont parlé de quatre ministres. Mais c'est quand même terrible que quatre mondes qui ne sont pas des inconnus, qui ont été ministres, qui ont été comptables de deniers publics. Que quatre mouns entrent dans le gouvernement pour garder pas grand monde dans l'entourage président qui dit attention, il a violé l'article 139 de la Constitution, pas grand monde qui était well. Je trouve ça quand même grave. Maintenant, ils ont donné raison aux députés interpellateurs. Nous-mêmes, ce n'est pas pour les mêmes raisons, parce que nous n'avons pas bien donné ça. C'est eux-mêmes dans l'enquête par eux qui jouent ni. Mais même pour des raisons de stabilité politique, pour des raisons de. Tu sais, la sécurité, la paix publique. Pour moi, c'est le premier bien. La stabilité, c'est le premier bien public. C'est ça qu'on cherche d'abord dans tout le pays. Et si le Premier ministre représente désormais une menace pour la stabilité du pays, on n'a pas le choix. Pas trop fort de dire une menace pour la stabilité pour se représenter, non? Et c'est Kembel pour dans quelques temps, ça va passer dans le pays. Sagino, je pense que le départ du Premier ministre est inévitable. Je ne pense pas qu'il y a monde capable de faire débat sur ça. Automatiquement, le fin de fête, laissez-nous pas laisser chita nous-mêmes dans le niveau bloc là pour nous capables d'essayer de réviser la politique pays, comment au niveau de la Chambre des députés pour nous voir comment nous sommes capables d'avancer avec le pays. Parce que là, nous avons un mois de rentrée de l'école, il y a une question de budget que tu as dû déposer et puis on analyse. Déjà déposé. Oui, déposé, mais semble, selon une conseil président, tu as dû faire retrait vu que données ont changé, je veux dire, après ça. Je pense qu'il y a préoccupé, il y a rapatrié budget okay, par rapport pour réviser la baisse par rapport à la prévision qui a été faite sur l'affaire Montégal. C'est ça. Maintenant qu'on a là, une connaissance, ça veut dire qu'on fait choix pour le ministre, plus de captation. Est-ce que là, on ne peut pas craindre tout pour que ça mette plus de problèmes dans le travail, l'administration, président Jovenel Moïse? Nous allons mettre nos travail le plus vite que possible pour nous voir si tu as un prochain nouveau gouvernement et puis pour nous continuer le travail. C'est ça que nous allons faire nous-mêmes parce que nous sommes très motivés dans ce sens-là. Et tout ça, là, nous prévoyons, mais nous allons mettre nos travail pour que dans quelques semaines, pour que nous voyons ce pays. Mais il ne faut pas oublier, Bloc n'a pas désolidarisé avec le président Jovenel. Bloc l'a arrêté tout à fait confiant et dans la politique président Jovenel là, il pensait que le président Jovenel travaille bien et nous avons continué à appuyer. Donc ça veut dire que s'il proposait nos premiers ministres qui remplit toutes conditions constitutionnelles pour le monter, on a pas le vote là tout de suite et nous pensons que son travail a fait très rapidement. Demain samedi, 10h du matin, et tout Gébral Baki sur la Chambre des députés, et pour le ministre a annoncé que la descente. Mais quand tu parles de matin, nous avons gardé tout comprendre que nous n'avons pas aimé pour le ministre descendre. Nous avons souhaité que c'est démission le bail. Pour que ça ne pas le descendre. Non, ce n'est pas là, nous y est. Voilà. C'est pas là. Nous-mêmes, s'il t'a démissionné, la bon pour lui. Mais nous-mêmes, au niveau du bloc majoritaire, nous n'avons pas de problème, il descend, ok, n'a pas tamné. Il n'est pas descendre, il démissionne, la bon pour lui. Ok, Jean-Ouel Ariab dit oh oui, c'est bien député qui parle pour descendre. Non, nous ne voulons pas là. Si vous voulez, nous-mêmes, nous voulons protéger l'image, les familles, en mille, ou ça, il est capable de démissionner et la grande pays a un service tout. Demain, si je vais, si je descends, nous-mêmes, nous faisons travailler comme parlementaires. Ok, et là, les députés ne sont pas inquiets pour descendre. Il a descendu, il vient de descendre. Mais il n'y a pas de temps en bas. Ok. Je vais un sénateur qui était même à loin, qui dit bon, est-ce que les députés ont bien courage pour voter contre le Premier ministre? Ça fait ça. Je ne vais pas commenter sur la déclaration du collègue sénateur. Je ne vais pas connaître la raison qui fait le deal, je ne vais pas commenter sur lui. Je vais commenter tout, député. Non plus. Non. C'est pas nécessaire. Alors, si je ne connais, je ne saute pas là, je ne précise pas encore fait hier soir. La messe est dite. Mais par exemple, et si pour le ministre Tarelli nous après midi, on parle avec nous, expliquez-nous, mais ça crie à, mais qui engagement peut-être plus capable de prendre, et maintenant qui niveau le compte, rectifier tir, mais ça n'a pas de mais ça le café. Non, seul bagage pour le ministre qui a fait pour lui. Il y a une conférence de presse pour le remercier le bloc majoritaire qui l'a supporté, malgré le conscient que
à tant population pas comblé ça le prévoir pour te faire pas faire merci pour le dire peuple haïtien merci à bloc majorité qui t'a supporté il remet démission. Ben, c'est plus ou moins même opinion. Il ne faut pas oublier, c'est pour un support inconditionnel. C'est-à-dire que le Premier ministre, si je dis tout à l'heure, là, il représentait désormais une menace pour la stabilité du pays. Et dans ce cas, je pense que mon pire mes pays, le Premier ministre, m'obligeait de solidariser avec lui. Qui s'est barré dans ce matin là? C'est mal fini. Bon, ça me d'accord dit peuple haïtien. Et encore une fois, je salue tout le monde Thomasic, mon grand pile l'amour dans le cœur, mon plateau central, bien entendu. Vous avez demandé un travail où tu as fait? Oui, évidemment, et président de la République a lancé caravane sur Thomasic là. Et nous-mêmes, nous travaillons pour Thomasic avancer, nous avons un lycée. Lycée n'a construit, nous avons 4 écoles nationales et cap construit, nous sommes capables de dire qu'il y a un ministre dans le gouvernement qui travaille. Et je me suis demandé moi-même, demandé faut qu'il y ait quelques ministres dans le prochain gouvernement qui était dans le gouvernement ça pour répondre. Je m'a demandé président ça. Pourquoi tu as changé le gouvernement la matière là? Oui, oui, dans le prochain gouvernement, il faut qu'il y ait un prochain gouvernement, il faut qu'il y ait des ministres, par le ministère public là, il travaille. Ou qu'il y ait un ministre d'éducation, il faut qu'il y ait un système là, parce qu'il prend pile travail là-dedans. Parce que il y a pile d'efforts qu'il fait dans ce système là. Donc je pense que il y a l'école Thomasy qui a 4 écoles qui a préparé, l'école nationale, il y a lycée qui a fait, il y a caravane, il y a caniveau tout droit qui a préparé pour nous bétonner ville là. Et puis je pense que n'a pas avancé et mon Thomasy et jusqu'à présent, il a toujours été attaché avec le président Jovenel. Je pense que le plateau central ou pas de gros mouvements contre le président Jovenel, peut-être qu'il y a capable de problème avec le gouvernement, chef gouvernement, par rapport à manque de leadership, saleté dit pour faire ou pas faire. Donc je pense que nous-mêmes, au niveau du bloc majoritaire, nous étions toujours comme bons collaborateurs du président de la République là, nous avons continué de travailler ensemble et nous avons continué de travailler parce que c'est le travail qui force nous. Et ce travail nous compte travailler. Mais attendez, vous courez, mais comme le capitaine de tout, peut-être même conseiller PM, la photographie, mais tout le monde a tout fait, tout chaleur, net sous le ministre. Et lui seulement nous décide de clouer au pilori. Gouvernement et Premier ministre, c'est lui qui a dirigé le gouvernement d'abord. C'est lui-même qui n'a pas le gouvernement, c'est ce qu'on m'a dit, parce que comme si c'est coordonnateur gouvernement qui est, si il a mal coordonné le gouvernement, pas de résultat. Donc nous-mêmes, nous pensons que comme responsable, comme homme d'État responsable, nous-mêmes, nous ne pouvons pas, et dans la conjoncture, il faut que nous soyons capables de prendre responsabilité pour nous capables de fixer la responsabilité à monde qui mérite sanction. Et pour courage, je pense que chaque week-end, il veut être dans l'émission Caravane, après le travail continue à faire, et tu as été capable à ce moment, non? Non, nous ne sommes pas capables nous-mêmes. Courage, nous travaillons à peu près 15 heures par jour. Tout le matériel acheminé, il travaille 15 heures par jour, deux opérateurs. Les femmes du Courage étaient malades en pile. Son côté, Woodcourt l'a fait en 1932. Et de 1932 à nos jours, pas jamais une intervention majeure qui fait sous lui. Son côté, l'État central l'a oublié. Donc c'est le gouvernement Jovenel Moïse Lafontaine qui retournait avec Courage. Donc c'est pour ça que moi, je dis que parmi ces circonscriptions qui ne sont pas satisfaites, si nous avons gardé sous bilan Courage seulement, on a supposé reconduire, on a supposé appuyer, continuer à appuyer. Mais c'est le pays d'abord. Son question de pays, son question de bilan national et son question de stabilité politique. Moi-même, veux pas, non, je veux venir, c'est que, et machin la haine, machin désespoir, pour baisser micro, pour suspendre. Parce qu'on n'a pas qu'à construire un pays, pas qu'à construire une société, lorsqu'on voit échange sous chat, l'on a dit c'est telle catégorie qui a empêché le pays à vivre, on connaît que c'est menti. L'on a dit c'est tel député, sénateur qui a tant en mêlée, on connaît que c'est menti. Ou a dit que le gouvernement et pas les ceci alors qu'on s'est menti, moi t'as aimé que campagne est finie parce que si nous continuons à transformer nos radios, toute radio nous en radio mille collines, nous finissons par gagner un génocide dans le pays. C'est ça qui risque là. Pour moi même, c'est ça. Faut que nous essayions de reconstruire le tissu social là, faut que nous refondions la nation, faut que nous finalement baissions nos directions parce que, comme je dis, il n'est pas capable chaque décennie pour une institution que nous avons. Parce que quand il y a là, il y a du crasé parlement, l'autre semaine il va du crasé l'armée, et puis après ça, crasé, qui côté lui mène nous après 214 ans, je pense que l'heure qu'on y a tôt pour nous commencer à construire, pour nous payer en direction, et surtout
pour nous connaître que chaque monde dans le pays a une place. Li. Quitte les mulattes, quitte les blancs, quitte les nègres, quitte les paysans, même j'avais, eh bien, nous avons une place nou, en, dans la société. Parce que nous avons un bagage qui a tout, collègue, dans la question où nous avons critiqué parlementaire, ceci, parlementaire, cela, c'est un rejet de la classe paysanne. Il ne faut pas oublier. Système ça que nous avons là, régime politique qui permet que un petit paysan tant qu'on capable de sortir corail pour le rentrer dans les plus hautes sphères de décision politique dans le pays, c'est le régime ça qui permet lui. Donc lorsque le peuple ça lui-même, quand il a dit craser le Parlement, craser le Parlement, on a craser tête tout. Parce que le Parlement n'a pas existé encore, surtout parce que l'autre régime qui va gagner le Parlement, et je pense que ce pas possible, et bien ça a privé. Ça veut dire que petit paysan, le peuple qui a vu une porte au prince, puis il dit mais qui ça a décidé encore. Et lorsque le monde, par exemple, par méchanceté, il dit yo, bah, député, 500 000 gouttes pour poisson, le monde qui a dit là qu'on est pertinemment que ce n'est pas pour poisson que vous avez dit, que son période de rara. Et tant que ces électeurs ça aucun gain, tant que le peuple haïtien c'est comme ça que lié, côté que il y a des demandes à un député, qu'il y a des bagailles personnelles, moi-même ça va jamais passer un jour sans pas gagner minimum 10 appels. Et des appels qui a manqué, mais madame, moi, c'était pas à l'hôpital. Et si vous ne pouvez pas payer l'école, etc. Donc, responsabilité ça. Et lorsque Koray, quand on gagne plus de 100 bonnes rares qui prend la rue, à qui ça, député, après, elle joue l'argent pour le bail. Donc, c'est ça qui fait que le Parlement, au niveau du budget que nous avons voté, nous disons que les députés ont une allocation qui peut permettre que la période rara, la vie n'est pas impossible pour rentrer dans le marron. Donc, je pense que pour faut changer la réalité, moi d'accord, mais il faut que l'électeur change tout, il faut que l'électeur quitte député, quitte sénateur, fait travail avec la constitution, voyez au faire pour ne pas brûler, pour c'est eux-mêmes qui sont responsables des maladies, c'est eux-mêmes qui sont responsables de toute qualité de bagaille. Depuis mon nom, il faut qu'on bali. Par exemple, on prend un exemple qui est très simple. Moi-même, je pense que je tape de très bon temps. Si je pouvais décider seul, que nous renoncer à la subvention gaz que nous dans le monde. Question fiche gaz, ça, il crée des frustrations, il crée des bagailles, nous renoncer à lui-même. Pourquoi on est le premier monde qui peut crier ces monde dans la rue? Parce que pas besoin de députés à passer, on s'est passé, c'est pas moi de mon outil fiche gaz. 25 000 gouttes, et pas plus. Je pense que si vous voulez le pays à changer, si vous voulez que le gouverneur change, il faut que d'abord, ou même comme électeur, vous changez. Ce ne soit pas un beau pays. Je pense que, c'est nous-mêmes, je pense que si je ne veux pas te représenter Thomasik n'a pas de l'OPE, pas de lycée qui a construit là-dedans, il n'a pas de l'école qui a préparé là-dedans, il n'a pas de caravane qui a lancé pour permettre que Thomasik là, qui c'est un défi pour tout le monde qui a fréquenté route ça pour le département, parce que son route qui relie trois communes, un Thomasik c'est Calasus. Donc je pense que il y a plus de 40 ans depuis que mon lord a toujours bataille pour que route ça fait. Si vous pas de député dans coup de la clause qui t'a représenté au parlement, qui t'a campé, qui t'a parlé avec le président pour la nécessité pour te faire route ça, il pas fait. Si pas de un député dans coup Wolf Papillon qui t'a représenté Corail, et bien grand pile bagaille Corail qui fait, il pas qu'à joindre lui. Et nous-mêmes pensons que nous-mêmes ces yeux population, ces bouches population, c'est nous qui allons frapper pour la population. Chaque fois que nous avons un problème dans le pays, nous-mêmes nous sentons, parce que c'est nous-mêmes qui avons une relation de proximité à la population. Donc, je pense que il y a un secteur qui derrière la population, qui a dit la population, allez là, et la population commence à avoir maturité politique. Vendredi, samedi, ils sortent, ils ont des sorties, ils prennent des décisions, ils sortent dans la rue. Après, il y a un ensemble de politiciens traditionnels qui lancent un mot de grève avant hier pour manifestation crasée brisante. Tout le monde était là, Kayo. Ça veut dire qu'ils ont commencé de maturité, ils n'ont pas quitté au même côté où ils mais ils ont même qui connaissent ça où ils voulaient. Ça, peuple, ils voulaient. Ils sortent, ils demandent le président fait back. Nous-mêmes, Parlement, nous n'avons pas fixé responsabilité à les gens qui doivent prendre responsabilité. Donc, en fait, nous sommes capables de dire, peuple haïtien, chapeau bas pour nous. N'a travail ou mettre pose au 50e législature après travail pour satisfaire parce que c'est vous que voyez nous en bas n'a continuer travail pour pas quitter aucun politicien traditionnel après on mener au côté pour aller tout mettre dans tout aller bouler écraser ça va mener nulle part mais on seul bagaille n'a prend responsabilité nous comme hommes d'état et femmes d'état voilà. Yes. Bon, c'est parfait et c'est ça mon attente tout c'est que
question de disparité à l'immoins. Et bon, nous avons espoir tout à peu ça, c'est un peu un jeune et perdu l'espoir. Désespéré. Et puis passer tout, et accès travail pour que y ait accès à services sociaux de base, école, hôpital. Et qui va le faire que le monde malade va bien penser. Et voilà l'autre. Évidemment. Bon, n'est-ce pas? Et c'est ça. Et puis permettre que Mounio fier pour appartenir à pays, après que le dirigeant va penser pour eux. Dirigeant va prendre des décisions qui allaient dans le sens et pour aider à améliorer les conditions. Mais c'est la stabilité qui crée richesse. Ça veut dire aucun pays ne va avoir stabilité, pas bien richesse qui crée là-dedans. Enfin. Donc je pense que nous-mêmes, stabilité politique, c'est un bagage qui est capable de permettre de plus d'investissement qui fait dans le pays. Il y a plus de monde qui voulait visiter, les touristes pour venir visiter. Moi, Bahamas, avant, je regarde sur les réseaux sociaux, quand il y a 5 bateaux croisés qui Bahamas, c'est des milliers de touristes qui visitent Bahamas qu'il y a là. Et pourquoi pas Haïti ou pas Veneto? Parce qu'il y a un problème d'instabilité politique. Et autant qu'il y a des touristes qui fréquentent, il y a plus de comme qui rentrent, il y a l'État qui a des moyens, qui a plus de services, tout. Et laisse tout, pauvreté qui est dans la réalité, pas de gain, il va diminuer. Et nous-mêmes, comme hommes d'État, nous allons essayer d'arranger nous pour nous capables de plus de services à la population, parce que c'est pour ça que vous avez voté. Parfait. Bon, là, je vais vous dire quasi toujours, et vous me demandez de trois messages, des gens qui ont posé des questions. Mais est-ce que c'est pas le système qu'il faut changer? Est-ce que c'est changement de monde qui va le faire? Ben, elle a changé. Elle résout d'ailleurs en 2008, nous devons émettre de la fin. 10 ans après, nous, ça va, je veux dire. Bon, autant de questions qui sont dans le débat, mais de toute manière, rendez-vous assez près demain samedi, et au niveau de la Chambre des députés, pour séance qui était en continuation, pour qu'elle reprenne. Et pour Missan, il y a annoncé le matin sur Twitter, sur compte Twitter, il Paris, demain à 10h, pour la répondre aux questions et honorables députés. Merci député de la Cousse, merci député Papillon parce que vous étiez disponible. Déjà merci et bon travail, bon week-end. C'est moi pour remercier Ose Gino et moi féliciter le collègue Papillon parce que c'est bons amis, nous tous travaillons ensemble. Et peuple haïtien, nous comptons sur nous, nous demandons pour nous capables toujours rester compter sur le Parlement haïtien parce que le Parlement haïtien, c'est nous qui voyons député sénateur en bas, pas coûter monde pour le craser, briser. Peuple Thomasique, nous mettons compter sur député de la Clause. Nous travaillons pour vous pour nous capables d'avancer. Merci, au revoir. Voilà, deux invités à mise au point, député Rolf Papillon, honorable député de Corail, député Francisque de la Clause, honorable député de Thomasique. C'est avec eux. Nous t'ai brassé l'idée matin. Merci tout le monde. Nous sommes avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.